Bonjour! Dans cette vidéo, je vous montre comment dessiner dans l'outil Book Creator. Donc, on va premièrement appuyer sur le bouton plus jaune en haut à droite. Ensuite, on clique sur l'outil stylo, puis on peut tester les différents stylos. Donc, le crayon régulier, le pinceau, le crayon cire, ainsi que le surligneur. J'ai également une gomme à effacer qui me permet d'effacer les traits que je viens de réaliser. Ce que j'avais envie de vous montrer, c'est le crayon magique. Donc, si je clique sur le crayon, juste ici, on a l'option « Crayon automatique ». Donc, je peux choisir la grosseur du trait. Je clique dessus, puis je commence à dessiner. Donc ici, moi, j'ai envie de dessiner une citrouille. Voilà, et j'ai des options de citrouille qui apparaissent en haut. Dans la barre, je vais choisir cette citrouille-ci. À l'aide des points bleus, je peux la grossir, la rapetisser. À l'aide du point vert, je peux la tourner sur la page. Si je veux maintenant ajouter de la couleur, je vais cliquer sur le X bleu en haut à droite. Ensuite, je choisis le pot de peinture ainsi que la couleur de la citrouille. Et d'un simple clic, je peux modifier la couleur. Voilà. Lorsque j'ai terminé mon dessin, je clique sur le bouton « Terminer » en haut à droite. Puis, je peux encore une fois, avec les poignées, grossir, rapetisser, retourner, bouger sur la page. Ce qui est important de savoir, c'est que si je veux d'autres options pour mon image, donc c'est-à-dire la supprimer, la rogner, la verrouiller, je dois cliquer sur le « i ». Donc ici, je pourrais même la déplacer. Donc si j'ai plusieurs couches sur mon dessin, je peux la mettre soit en avant, soit en arrière. Je peux également ici la rogner avec les poignées. Donc si je vais enlever le petit surplus juste ici, je rogne. Et je peux la verrouiller comme ça, mais en fait, je ne pourrai plus la déplacer ou l'accrocher lorsque je suis sur la page. Alors voilà, c'était la façon d'insérer des dessins dans Book Creator.